Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose ma découverte de la démo d'Homeworld 3 sur le tout nouveau mode de jeu Wargame. Alors, c'est un stream qui a été sponsorisé par l'éditeur Gearbox, et du coup, cette vidéo est aussi sponsorisée par Gearbox, merci à eux, et je vous laisse avec le replay. On va dire bonjour YouTube, tout le monde. Aujourd'hui, nous découvrons le premier mode de Homeworld 3 qui s'appelle Wargame. La démo vient de sortir à 19h sur Steam. Vous avez jusqu'au 12 février pour essayer la démo Homeworld 3 Wargame. Et on va tester du coup ce nouveau mode qui a été annoncé. Mode PvE, PvP avec des doses de roguelike. Et on a hâte de découvrir un peu le jeu. Voilà. Jouer le tutoriel de campagne. Affiche des instructions étape par étape pour apprendre les points clés du gameplay. Parcourir le compendium. Ou accéder aux paramètres. Ben, je vais lancer le tuto de toute façon. Je pense qu'après le tuto, on aura accès. Lançons le tuto. Training will begin with reviewing and testing fleet functionality necessary for future missions. Ok. Oh, le jeu est beau déjà. Oh là 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 là, les frissons. Alors, objectif, terminer les objectifs pour progresser, on est dans le tuto. Le but de chaque mission, certaines missions requièrent l'accomplissement de plusieurs objectifs, parfois de manière simultanée. Ok. La connaissance des environs est essentielle pour prendre le contrôle du champ de bataille. Orientation de la caméra. Donc, pour observer les alentours, activer la caméra en maintenant la touche clic droit, c'est ce que j'ai fait avec la gestion de la caméra moderne. Cela vous permettra de l'orienter dans n'importe quelle direction autour de son point de vue actuel. Je crois que je vais tester les deux en vrai. Si vous utilisez les commandes classiques ou si vous êtes en train d'observer un objet, la caméra orbitera autour de son point focal. Ok. Et clic droit plus bouger la souris permet de regarder ou de faire orbiter la caméra dans n'importe quelle direction. Très bien. Ok. Practice rotating your view. Rotate your view to get a better angle of the mission area. Center the view on the mothership. L'objectif est de pivoter les fenêtres d'affichage pour voir le vaisseau mère. Très bien. Et maintenant, regardez la ceinture d'astéroïdes. Et maintenant, bougez pour voir le transporteur. Il est là. Gestion de la caméra. Pour faire défiler la caméra, vous devez d'abord l'activer en maintenant la touche clic droit. Toujours, ok. WSD permet d'avancer la caméra, la reculer, gauche-droite, faire monter, alors c'est E et Q. Ok, donc ça, de toute façon, on va passer en QWERTY. Maintenez L-Shift et R-Shift pour augmenter la vitesse de déplacement de caméra. De plus, la caméra peut être déplacée directement si vous le souhaitez. Ok. Alors, hop. Attendez, pour augmenter, ok, c'est ça. Adjust the height of your view to gain or reduce elevation in the mission area. Ok, on a déplacé la caméra verticalement. Essayez de regarder de plus... Attends, déplacer la fenêtre d'affichage au-dessus. E et Q permet de faire monter et descendre la, et monter la caméra. Ok. Attends, j'ai pas eu le temps de lire l'objectif qu'il m'a donné là. Ah, le transporteur, peut-être. Non. Zoom de la caméra. Permettre de faire un zoom en avant avec la caméra. Avec la gestion de la caméra moderne, le zoom fera défiler la caméra vers l'avant ou l'arrière à volonté. Avec les commandes classiques, la caméra dispose d'une distance de zoom minimale et maximale. The zoom command can accomplish the same task, albeit more easily. Try this now. At any time, the mothership can be quickly returned to via a dedicated command. Try this now. Ok, c'est bon. On a la caméra, on sait gérer la caméra. Il existe quelques raccourcis prédéfinis permettant de sélectionner rapidement les unités les plus importantes. Appuyez sur Backspace pour sélectionner une unité de production disponible, de préférence le vaisseau mère. Appuyez sur F4 pour sélectionner toutes les unités militaires de la flotte. Et appuyez sur Home pour faire passer la caméra d'une unité de production à l'autre. Ok. Donc là, si j'appuie sur Backspace, j'ai le vaisseau mère. Très bien. En appuyant sur Space ou en cliquant sur le bouton en bas de l'ATH, vous ouvrirez le gestionnaire des détecteurs.
Le gestionnaire des détecteurs pardon, est une vue dégagée de la zone d'opération. Les détails sont simplifiés, la gamme de couleurs est réduite et les unités sont représentées par leurs icônes de classe. Il offre une vue d'ensemble, ouais, c'est la vue de bataille un petit peu quoi. The sensors manager is critical for quickly surveying the entire mission area all at once. Voilà, ça c'est la vue de bataille. Enfin, la vue, on va dire un peu où on gère de loin les troupes, quoi. La sphère directionnelle est affichée en bas de l'écran, au centre. Les objets et endroits importants sont indiqués par les flèches qui apparaissent à la surface de la sphère directionnelle, ok ? Alors que la caméra se déplace et pivote, la sphère et des flèches resteront verrouillées par rapport à l'orientation de l'environnement. Il y a trois types d'indicateurs. Les indicateurs de combat sont rouges, par défaut, et pointent vers une zone de combat. La zone de combat sont les endroits où vos unités et celles des alliés sont prises avec des unités ennemies. Ok. Les indicateurs d'objectifs sont jaunes. Ok, et pointent dans la direction d'un marqueur d'objectif. Et l'indicateur du vaisseau amiral est bleu. Le vaisseau amiral de notre flotte, hein, j'imagine. The first marker shows the direction of the mothership. The second marker points towards objectives and related points of interest. Donc là, le bleu, c'est le notre vaisseau mère. The sensors manager allows you to see the positions of the fleet as well as their line of sight. Ah, okay, okay, ici. Can also be issued from this view. All units have a sensors range, their effective sighting radius as a sphere around them. Units outside this range are usually undetectable, and these areas are the dark fields of the sensors manager. On a des hostiles qui arrivent. All units have differing sensors range. Je vais faire F4. Or building units that specialize in high sensor range can provide crucial information on enemy positions. Okay. Donc la guerre de l'information est très importante. Ici on a les ressources. Ok. Donc attendez, je regarde juste un petit peu. Champ d'astéroïdes. Oh, une belle UI comme ça. Ça fait pas rêver le chat? Une belle interface utilisateur comme ça? Salut Arukarizu, salut Natrash40. Allez, on quitte ça. À tout moment, la pause tactique peut être enclenchée, utilisable pour planifier ou donner des ordres lors de situations difficiles ou requérant un timing parfait. La pause tactique. Le système de pause tactique permet d'ajuster la vitesse du jeu ou de le mettre en pause à n'importe quel moment. Toutes les actions telles que sélectionner des unités, donner des ordres ou planifier la production restent disponibles. Pour alterner entre la vitesse de jeu actuelle et la pause, appuyez sur P. P comme pause. C'est simple, comme bonjour. Utilisez P plus molette de la souris pour ralentir le déroulement du jeu, P plus souris en avant pour l'accélérer, ou enfin molette vers l'avant ou molette vers l'arrière, j'avais pas vu, ok. Ok, donc là si je fais ça, ah oui, ok, vitesse du jeu 0, je peux le mettre en pause, 25, 50, 75, 100, ok, ok. Et je peux aller à plus de 100? Non, je peux pas aller à plus de 100. Voilà, j'ai activé la pause. Attends. Oui, je pensais que j'avais cassé le tuto. J'ai cru que j'avais déjà cassé le tuto. Activer, désactiver la pause tactique. Terminer les objectifs pour progresser. Très bien. Et là, je vais enlever la pause. Ok. Remarquez, quand la pause est activée, les unités ne peuvent pas réagir aux ordres et les objectifs ne peuvent pas être terminés. Ah, remarque, pardon. Ok. Très bien. Là, on a quoi? On a... Ça, c'est des transporteurs? Non, ça, c'est quoi? Contrôleur de ressources. En tout cas, la caméra se gère plutôt bien. Graphiquement, c'est propre, hein. Réduisez la vitesse des opérations. Repasser à la vitesse de... Ah oui, c'est parce que j'avais déjà rempli un objectif. Je vais trop vite pour le jeu. Donc, on passe à 25. Et après, on repasse à 100. C'est bon, double objectif rempli. La musique est incroyable, j'adore l'ambiance. Avant de démarrer les opérations, nous allons nous focaliser sur le vaisseau mère. Presse, molette de la souris ou right alt plus F, tout focus de caméra. Ok, c'est plus écrit en français, on sait pas pourquoi. Ok, donc on a juste à faire ça pour se focaliser sur un objet. Genre si je prends lui et que je fais ça, ok, je suis sur lui. Oh, trop bien. Simple, comme bonjour.
Si vous focalisez sur des vaisseaux, votre point de vue se placera en orbite autour de l'objet en focus. Okay. Tac. Ouah, je fais tourner la caméra autour de lui. Encore un petit peu. Non. Your view can also be zoomed in and out from the subject. Try this now. Pour l'instant, je suis très fort au tuto. Hein. Pensons comment. Toutes les opérations débutent en désignant une unité à l'ennemi. Pour sélectionner manuellement une unité, faites un clic gauche sur elle ou sur son icône de classe et maintenez gauche et faites glisser le curseur pour créer un cadre de sélection. Ok, comme dans un tout STR classique. Maintenez donc L, Shift ou Right Shift en sélectionnant une unité pour l'ajouter à la sélection actuelle et remplacer cette dernière. Ok, classique aussi. Double-cliquez sur clic gauche sur une unité pour sélectionner toutes les unités du même type. Classique aussi, comme dans tout STR. Pour annuler la sélection actuelle, vous pouvez appuyer sur clic gauche dans le vide. Ok, comme tout STR. Pour l'instant, ça, très très simple. Sélectionnez le collecteur de ressources. Alors, on a un destroyer ici, l'intercepteur, il était là. Hop, je sélectionne. Toutes les unités d'une flotte ne sont pas des vaisseaux de combat, mais chaque classe a un rôle, une fonction et des capacités qui lui sont propres. Ok, ok. Le vaisseau mère est un chantier naval lent, mais bien protégé, capable de repousser seul des menaces légères. La capacité ressource des contrôleurs de ressources permet de collecter des unités de ressources, UR, principalement sur les filons de ressources des astéroïdes ou des débris. Allons collecter des astéroïdes! Afin de produire de nouvelles unités ou rechercher de nouvelles technologies pour améliorer votre flotte, vous aurez besoin de ressources. Vous pourrez en trouver sur des astéroïdes, dans des containers ou sur la surface d'anciennes structures mégalithiques. Ok, donc il n'y a pas que les astéroïdes. Pour récolter des ressources, sélectionnez un contrôleur de ressources, puis utilisez le raccourci du bouton de la capacité ressources pour lui donner l'ordre de chercher et récolter automatiquement. Ok. Vous pouvez également sélectionner un contrôleur de ressources et faire un clic droit sur un objet pouvant être récolté. Ok, c'est encore plus simple. Comprend ça et on lui dit genre va collecter ça. Ah non, c'est cela. While very vulnerable, they have several additional uses, including recovering mission vital objectives in the AO, and in some circumstances, even capturing enemy ships. Ah ouais, je suis sur les icônes. Attends, je vais bouger ma caméra. Accroître sa flotte est essentiel pour toutes les opérations, bien sûr. On va regarder les recherches et tout. Oh, je suis trop hype. Je suis trop hype, le chat. Attendez, je déplace ma caméra. Hop. Non, je vais me mettre plutôt là parce que je crois qu'il y avait un vide ici. Attendez, on va regarder. Certaines capacités d'unités doivent être recherchées avant de pouvoir être utilisées. Les recherches s'effectuent via le panneau de gestion de la construction. En plaçant les curseurs sur un élément, vous affichez les conditions de recherche. Appuyez sur B ou cliquez sur le bouton construction et recherche dans le coin supérieur droit de l'écran. Sur le bouton amélioration près d'une unité ou d'une catégorie d'unité permet d'afficher ou de masquer les recherches disponibles pour ces dernières. Lancez la recherche pour mettre une recherche en pause ou pour annuler une recherche en cours. Donc c'est soit B, soit construction et recherche en haut ici. Ok. Dans certains cas, la technologie nécessaire doit être recherchée avant de pouvoir... Oh, j'ai pas eu le temps de dire. Des unités légères de reconnaissance sont désormais disponibles. Menez des recherches afin de produire un petit contingent de vaisseaux pour la flotte. Vaisseau de reconnaissance, ça me demande 150. Et j'ai... est-ce que je suis en illimité parce que... Ah, j'ai 0 encore. Non ? Non, si, c'est bon. Tu sais que je vois combien j'ai. Objectif, population, événement. Bah, je vois 0 ici, mais c'est le nombre de sélectionnés et contrôleurs de ressources. Ah, c'est peut-être ma ressource qui est... Pour l'instant, il envoie des petits bonhommes ici. Il récupère des... Je vais voir si ça fait augmenter ou pas, ça. Hmm.
Le jeu est plutôt beau, hein. Waouh. Ah, il y a une ambiance, hein. Il y a une belle ambiance. Salut Reduximab, quel est donc ce jeu qui m'a l'air fort sympathique? C'est Homeworld 3, dont la démo vient de sortir à 19h là. On est en collaboration commerciale bien sûr avec Gearbox qui sponsorise ce stream, merci à eux, pour découvrir le nouveau jeu Homeworld. Moi j'avais adoré Homeworld 1, Homeworld 2, j'avais joué même à la Remastered Collection puisque c'est des jeux qui datent un petit peu, hein, de 99 et 2003-4 je crois. Et bah là on découvre le nouveau tuto du 3 et on va tester après un mode de jeu qui s'appelle le Game War, le War Game pardon, l'inverse. Et c'est un mode PVP ou PVE avec des événements, enfin des événements un peu roguelike, donc on va tester ça. Alors attendez, j'étais pas en pause, non je suis à vitesse du jeu 100%, ok donc si j'appuie ici. Vaisseau de reconnaissance, j'ai l'impression que j'ai lancé la recherche. Donc j'ai pas vu où étaient mes ressources pour l'instant. Maintenant que la tête est grenée, la flotte peut être renforcée. Produisez des unités pour agrandir la flotte. Afin d'améliorer ses capacités, il lui permet de participer à des missions de plus grande envergure. Appuyez sur B ou cliquez sur le bouton construction de recherche dans le coin supérieur droit de l'écran. Ok, c'est classique. Sur un élément permettant de commencer la recherche, ok. Sur un élément permettant d'allumer, ok, c'est comme tout à l'heure. Motherships and carriers specialize in unit production. Larger or more powerful ships take longer to build. La construction d'une unité plus grande ou plus puissante requiert plus de temps. Si vous tombez à court de ressources durant la construction, la production s'arrêtera. Ok. Donc, cliquez sur vaisseau de reconnaissance pour effectuer des recherches sur l'unité. Une fois terminé, cliquez à nouveau dessus pour la construire. Ok, donc là, on l'a recherché. Et maintenant, ça nous coûte 60 d'en construire un. Donc là, si j'en construis un, on devrait avoir une unité de reconnaissance qui, hop, vient de sortir ici. Ça, c'est vaisseau de reconnaissance. Mais attendez, je sais pas combien je peux en... Parce que ça, c'est le nombre de flottes que j'ai. Je pense que pour le tuto, je suis illimité. Nous aurons besoin d'un contingent d'unités. Ok, bon, on va en construire plusieurs. 5. Hein. Lot de production terminé. Je sais pas combien il y en a. Ah, il en faut faire 10, j'avais pas vu. Ok, il en faut faire 10, donc on est qu'à 6 là. Voilà, on va faire 4 de plus. Ouais, c'est un jeu stratégie spatiale. Là, on fait le tuto et après, vous pouvez tous télécharger la démo si vous voulez. Là, en point d'exclamation au moins le 3. C'est sur Steam aussi. Et on se foutra dessus tout à l'heure si vous faites le tuto là, en même temps que moi. Alors vous pouvez sélectionner toutes les unités militaires avec l'ordre correspondant. Faites F4 pour sélectionner toutes les unités militaires. Hop. Déplacez le contingent de vaisseaux de reconnaissance dans l'endroit indiqué pour voir au-delà de nos positions, pour faire de la reconnaissance. Déplacement des unités. Pour donner l'ordre de se déplacer, sélectionnez au moins une unité pouvant se déplacer, puis faites un clic droit sur une surface pour l'envoyer vers cette destination. Vous pouvez également utiliser le raccourci du bouton de la capacité déplacement ou appuyer sur clic droit dans le vide pour activer le cercle de déplacement. Ok. Lorsque le cercle de déplacement est actif, déplacez la souris pour indiquer la distance que l'unité doit parcourir, tout simplement. Ensuite, maintenez clic gauche et faites glisser le curseur pour ajuster la hauteur. Ah oui, de la destination, puis faites un clic gauche pour donner l'ordre de se déplacer. Oui, c'est ça qui est un peu compliqué avec les STR spatiales. C'est que c'est y a de la hauteur, donc faut trouver comment on fait quoi. Our units can take advantage of terrain as a shield against oncoming threats. During combat, pilots will attempt to take advantage of whatever cover is nearby. But giving them path directions that take advantage of cover can be paramount to mission success. Déplacer une unité dans une destination ici. Ok, donc là. Si je clique là, normalement, ça le fait. Et je voulais voir, donc, au niveau de la hauteur, après, je peux faire comment? Fallait rester sur le clic. Je crois que j'ai pas compris pour la hauteur encore. Positionnez une unité légère de reconnaissance à l'endroit indiqué. Mettez-vous là!
coordinates confirmed. Je sais pas pourquoi j'ai le pressentiment qu'ils vont se faire poutrer. Ah, W ou clic gauche dans l'espace vide via le cercle de déplacement. Combat. Pour attaquer une ou plusieurs cibles hostiles, sélectionnez d'abord une unité pouvant attaquer, ensuite maintenez CTRL. Ok, CTRL clic gauche. Faites glisser le curseur pour créer un cadre de sélection, puis relâchez pour attaquer les ennemis sélectionnés. Après avoir sélectionné une unité pouvant attaquer, vous pouvez également faire un clic droit sur l'unité hostile pour l'attaquer. Ok, tout simplement. Alors, oui, mais on voit pas là. Du coup. Ah si, c'est ça. On va tout simplement aller défoncer la sonde. Hein. Non ? Coordinates confirmed. We're moving. Copy that. Adjusting vector. Move complete. Attention en face ! Targeting strike craft. Ah oui, ok, j'ai le cercle. Ok. Ok, ok, c'est bon, j'ai compris l'histoire du cercle. Waouh! Oh, stylé, les petites explosions et tout. Salut Frog! Les formations arrangent les unités selon certaines formes ou dispositions. Certaines formations sont plus ou moins efficaces selon la tâche entreprise par les unités qui la composent. Pour mettre des unités en formation, sélectionnez au moins deux unités et faites un clic gauche sur le bouton de formation dans le panneau de sélection afin d'alterner entre les formations disponibles. Ok, donc il y a plusieurs formations. Start a new formation. Toc toc toc. F3. Delta. Formations change how ships align themselves in relation to one another. Formations can affect grouping, ability to focus fire damage, and even vulnerability to certain weapon types. Ok. In addition to placing units in formation, behavior can be fine-tuned through stances. Donc là, les formations vont être importantes pour certains types d'armes. J'imagine qu'il doit y avoir des armes avec des dégâts de zone, etc. Donc se mettre en formation écartée nous permettra d'éviter de prendre trop de dégâts à ce moment-là. Les postures affectent le comportement des unités particulièrement au sein d'une formation. Pour modifier la posture d'une unité, sélectionnez au moins une unité et faites un clic gauche sur le bouton de posture dans le panneau de sélection, donc en bas, afin d'alterner entre les trois postures. Vous faites... Donc ça c'est pareil, c'est très commun à tous les STR. Vous avez une posture d'agression, vous allez elle va attaquer toutes les unités qui se trouvent à sa portée. Resserre la formation actuelle, ne fait aucune tentative d'esquive et concentre les tirs sur la cible, en mode gros bourrin. Posture d'évitement, relâche la formation actuelle, entreprend des manœuvres d'évitement et tire sur la cible quand l'opportunité se présente. Et posture neutre, adopte l'espacement standard de la formation actuelle et alterne entre effort d'esquive et d'attaque. Ah ouais non, c'est un peu plus profond que ça. Donc on a agressif, passif, neutre. Vas-y, moi je me mets en agressif. Ah oui, effectivement, vous avez vu, regardez, il se resserre. Attention derrière! On s'est fait avoir! Mettez-vous en agressif! Suivez-les! Et on a... on a des alliés ici, ok. Oh, par contre, le tuto qui se met toujours devant moi, c'est compliqué. Chopez-les! Oh, j'en ai 2-3 qui vont bientôt mourir, hein, non? Attends, on va se mettre en... Changement de formation, mettez-vous en ligne! Oh! Ils ont l'air trop bien ces vaisseaux, les intercepteurs. C'est moi ou on fait rien? Si. Ok, c'est bon, on t'attaque. On attaque un petit peu quand même. Vous pouvez faire la commande point d'exclamation Homeworld 3 si vous êtes intéressé. Je vous rappelle que la démo est jouable par tout le monde là. Elle est sortie il y a 19h. N'hésitez pas à passer par le lien de la commande ou de rejoindre le Discord pour avoir plus d'informations aussi. Ils ont un Discord les développeurs. Par contre c'est moi ou là ma formation elle est totalement éclatée là. Attends, je vais mettre en neutre. Ennemi détruit, je vous transfère le commandement de l'intercepteur allié. Ah merci!
Replace and reinforce the fleet as resources become available. Les unités peuvent être réparées rapidement en les envoyant au hangar du vaisseau mère ou d'un transporteur. Amarrer l'unité. Ok. Attends, il m'avait dit que c'était quoi déjà la... Si je prends... Je peux les prendre là et leur dire de revenir au vaisseau mère ici? Ok, nickel. Une fois les chasseurs sélectionnés sur un transporteur au vaisseau mère permet d'amarrer les unités et les réparer. Je crois qu'on va réparer tout le monde, hein. Ah, j'aurais pu le faire là-bas? Au transporteur? Ah oui, ok, je suis revenu au vaisseau mère. Alors, l'action va se dérouler là-bas. Demi-tour! J'avais pas vu qu'il y avait un giga-transporteur, là. Donc ça, c'est à moi aussi. Wouah, les bruits et tout. Salut, Okan! Ok, donc là, je vais faire réparer les intercepteurs, ils seront bien. Ouais, c'est plutôt la petite... les vaisseaux de reconnaissance. Oh, il en reste plus beaucoup. Carriers can also build units. Switch to the newly transferred carrier in the build menu to begin unit production from it. Attends. Our fleet. Build additional interceptors from the carrier now. Samari. DC, this is Flight Lead looking to put down. I go back. Est-ce qu'il va réussir à s'amarrer lui? Ah oui, ok, ils vont tous s'amarrer petit à petit. Ok. Go for carrier control. Très bien. Et donc, là, si je prends lui, le vaisseau, donc aperçu du vaisseau, pas le vaisseau mère, mais le transporteur, il peut faire des intercepteurs et des vaisseaux de reconnaissance. Bon, je vais faire des intercepteurs, c'est beaucoup plus fort, non? Je sais pas où est ma thune. Bon, on est dans le tuto, à mon avis, on a full thunas. Normalement. Et on peut refaire notre escadron là. Construisez des intercepteurs plutôt que des vaisseaux de reconnaissance, ils sont bien plus lents mais leur puissance de feu est bien supérieure. Ok, construisez 5 intercepteurs depuis les transporteurs. Merde. J'aurais dû faire ça. Bon, on aura une grosse flotte là. Les transporteurs ne peuvent pas construire d'unités lourdes, mais ils sont plus mobiles que les vaisseaux mères et peuvent se repositionner rapidement sur le champ de bataille. Ok, très bien. Ça a l'air trop cool le chat. Ouais, c'est pas... C'est... Alors si, Okan, c'est un jeu avec histoire, etc. Là, aujourd'hui, on ne teste pas l'histoire, on va tester le mode Wargame, qui est un mode, comme dans tous les STR, PVP ou PVE. Send message. Est-ce que j'en ai fait assez, là, ou pas? Des intercepteurs? Dans des... Oui, intercepteurs. Non, il m'en manque encore un, je pense. Posture mix, non, mettez-vous en delta. Et tous les vaisseaux de reconnaissance, pareil, mettez-vous en delta. Faire des recherches pour améliorer les capacités de vos unités. Amélioration. Je peux faire quoi? Recherche surcharge. Permet à l'unité de gagner un boost de dégâts temporaires. C'est trop bien. Ok. Et après, ça va se mettre à toutes les unités de... Alors, je peux faire des groupes de sélection, hein. Et ça, c'est si groupe 2. Donc, je peux... Groupe 1, groupe 2. Ok. Ok, la techno est pour toutes les unités. Ok. Et comment j'utilise la capacité? Ici, ok, en jaune là. Donc là, ici, c'est la surcharge. Ok. Activer la capacité surcharge. Ok, on va voir ce que ça donne. Le tuto me dit de le faire. Surcharge. Good. The ability will be active for a short period of time before going on cooldown. Using unit abilities frequently will give you an advantage in battle. Ah oui, ça dure temps de recharge 15 secondes. The next location will allow units to take advantage of the tunnel to navigate, shielding them in the event of oncoming fire. Direct the contingent to the target position.
Attendez, j'ai fait un groupe où il y a tout le monde. C'est le groupe 3. Ok. Positionner l'unité légère au-delà du tunnel. Ok. Alors, le tunnel, il est là. Ah oui, il est là. Ok, donc là, ils vont devoir tous passer le tunnel. Bon, ben, groupe 3. Là, j'ai tout le monde. Zut, je me suis trompé. Interceptor read. Go. Attends, je dois faire quoi? Interceptor read. Je pensais que j'avais... J'ai toujours pas compris le... Interceptor read. Understood. Là, je pense pas qu'il rentre dans le tunnel. Ah, c'est ça que je voulais faire, je pense. Vector set. Sortez du tunnel! Ok, on peut leur faire passer des petits trucs comme ça. Location secured. No hostiles detected. Move the contingent of recon ships to the designated area above to gain cover and a vantage point. Déplacer les vaisseaux en hauteur. Alors ça, j'avais compris tout à l'heure, donc c'est W. Non, c'est clic droit. Ok, c'est ça. C'est clic droit et après on peut les bouger en hauteur ou en bas. Donc là, si je les fais grimper. Bon, c'est pas clair encore. Hein. Ah, c'était là, j'avais pas vu. Donc là, ils disent. Ah oui, ok, c'est comme ça que je gère après la hauteur. Ah, ok. J'ai compris. Attendez. J'ai compris, je sais pas où ils sont partis par contre, là. Ils sont partis à... De l'autre côté. Revenez par là. Revenez par ici. C'est bon, ils sont en train de faire un demi-tour. Ça met un petit peu de temps au tout début à de comprendre exactement comment on déplace les unités et tout, vu que c'est forcément bah, c'est un STR spatial, donc il y a plus de dimensions. Mais c'est cool. Ah, le transporteur, j'ai oublié de le... Ah oui, attendez, je vais l'amener avec moi. Vas-y, sors, mets-toi là, mets-toi avec eux. Attends, faut déjà que tu passes ici, je pense. Passe dans le tunnel, là. Ouais, non, mets-toi là, et après je te fais revenir avec tout le monde. Pas évident de savoir si on modifie la hauteur ou la profondeur. Bah là j'y suis, attends. Tac. Non, je suis pas encore assez haut là. Ah si. Où sont-ils ? En face. Ok. Alors, le problème, c'est qu'on a deux groupes. Ils ont quoi? Vaisseau de reconnaissance. Donc, les vaisseaux de reconnaissance... Les intercepteurs, ils vont... Oh là là, ils ont des frégates torpilleurs et tout. On va se mettre en agressif. Agressif. Vaisseau de reconnaissance, bah, défoncez eux. Et allez défoncer eux les autres. Moi j'aurais dû faire l'inverse. Je vais tout mettre. Et du coup le transporteur là, il est où? Il est pas sorti encore, s'il est là. Ah, je peux pas le prendre? Ah non, c'est pas lui. The combat effectiveness of an engagement force is often directly proportional to its ship composition, size, and ability to focus fire on an enemy. Cannon fire and missiles travel through real space and will collide with obstacles. Positioning ships behind large objects or behind other larger ships such as the... Ah, je peux leur dire de protéger ça directement. OK, OK. We have contact. Pas mal, pas mal, pas mal.
Pour l'instant, on s'en sort pas si mal. Oh, merde. Je dis ça, mais il va... Attendez, je vais perdre le tuto. Ok, c'est bon, lui, il est mort. J'ai perdu le tuto. Bonne soirée, allez, des yeux fermés, j'ai fait toutes les versions, très bon jeu, histoire prenante. Eh ben, là on découvre les premiers modes du 3. Hein. On va pas spoiler l'histoire forcément parce qu'on est dans le tuto et on va faire d'un mode PVP, PVE, mais... Wow, il y a une belle passe là. Attendez, j'ai pas fait ça, oh, je suis trop bête, j'ai pas activé mon pouvoir en plus. J'ai oublié d'activer le pouvoir. Et du coup, en agressif, ils vont les poursuivre. C'est bon ? Non, il en reste. J'ai encore du mal à voir comment je dois déplacer les unités. Genre quand je clique droit sur lui. Ok, si. Non mais là lui il va crever, c'est pas possible. C'est bon. Ah mais on a perdu le vaisseau. We have now practiced all the techniques necessary for our main operations. You may exit basic combat training. Vous pouvez guider la formation au combat basique ou rester. On a fait le tuto. Salut les records. J'ai pris trop de temps à les envoyer au début, effectivement. Ouais. Moi, je vous propose qu'on se lance dans le bain. J'ai envie de découvrir ce mode de jeu là. Tu peux sélectionner tes ennemis. Ah, tu peux sélectionner tes ennemis en sélectionnant la zone, comme quand tu veux sélectionner toute ton escouade. Ah. Tenez, Merzias, dans le grand bain. Scout on station. Ok. De retour, donc on a le menu, on a débloqué, donc on a ce fameux Wargame, donc qui a été traduit jeu de guerre en français, qui est le mode PVP, PVE, qu'on retrouve dans les STR, donc sans dévoiler l'histoire, c'est un peu comme on lançait une game de n'importe quel STR, et on va se friter soit contre l'ordinateur, soit contre des joueurs. J'ai un peu du mal à suivre l'évolution du décor, là il y a une porte à l'horizontale et une étoile éclairée de Noël. Écoute, non mais c'est particulier. C'est particulier. Bon, trop cool. Jeu de guerre, bienvenue dans la démo des jeux de guerre. Il s'agit d'une simulation conçue pour tester les futurs commandants. Votre flotte et vous êtes... Votre flotte et vous êtes perdus, en territoire ennemi. Ensemble, vous devez combattre et traverser une zone d'anomalie jusqu'à rejoindre l'espace Igaran. Vous devez atteindre vos objectifs en utilisant des flottes de transporteurs et échapper à un danger de plus en plus grand. Donc je crois que c'est là où il y a des mécaniques de roguelike en plus. Vous devez faire preuve de rapidité car l'ennemi gagne constamment en puissance. Découvrez de puissantes reliques dans les jeux de guerre. Chaque relique découverte vous permet de choisir une amélioration pour votre flotte parmi 3. Oh trop bien! Les reliques s'obtiennent en remplissant des objectifs. Des reliques supplémentaires peuvent être récupérées dans des épaves trouvées dans les zones de mission. Ah, en plus, faut fouiller. À la fin de chaque session, vous gagnerez de l'expérience en fonction de vos performances. Lorsque vous aurez suffisamment d'XP, vous passerez au niveau supérieur et débloquerez de nouvelles flottes et reliques de départ et qui vous permettront d'essayer des configurations, stratégies et mécanismes différents. Ouais, c'est aussi un peu le but de ces modes-là, c'est de pouvoir tester toutes les flottes, les possibilités pour parfaire ces stratégies, on va dire.
N'oubliez pas, vous faites cet exercice en équipe. Assurez-vous d'indiquer les zones clés, les ennemis ou les objectifs avec vos alliés avec le système de ping. Ah oui, parce que si on joue en PVP, je peux être avec des alliés. Ça va être rigolo. Alors que Lily lance Homeworld 3 démo. Ça y est, c'est parti. Ok. Recherche de partie. Ah, c'est parti là ? Oh non, mais je vais être un allié pourri. J'aurais dû peut-être faire un en PVE avant. Bon, s'il y a des gens dans le chat qui ont la démo, si vous pouvez la télécharger, hein, d'ailleurs, vous avez un peu d'exclamation Homeworld 3, profitez-en, vous avez jusqu'au 12 février pour tester le jeu. Je peux annuler, mais je voulais voir s'il y a une partie qui se lance, là, ce que ça donne. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des filtres. Alors attendez, parce que je regardais un peu les filtres. Région Amérique du Nord. On va mettre Europe de l'Ouest. Sélectionner la flotte de départ. Ah, moi j'ai rien. Ah oui, ok, il y a des niveaux à débloquer ici. Ok, trop bien. La flotte de chasseurs. J'imagine qu'on est tous pareils. Maximum wargame, difficulty modifier. Large ennemi, incursion, reduced available resources. Standard. Et là, je peux pas choisir genre de jouer juste contre l'ordinateur au début. T'inquiète, ça va le faire. Directement dans le grand bain. Faites lancer une partie en même temps que moi, comme ça. Comme ça, je suis avec un allié du chat. Si c'est du PVP, tu peux aussi être un ennemi. Oui. On va voir si on arrive à trouver une bataille. Vous pouvez précommander le jeu aussi, hein. Salut, Akinoise. Comment je prononce son pseudo ? Akinois ? Salut à toi. Je rappelle que ce stream est sponsorisé par Gearbox, qu'on remercie beaucoup. Puisque, bah, que du plaisir, hein. On joue à un jeu espace qu'on adore. Merci à eux. Akinoise. Ok, retiens. Alors, est-ce qu'il y a du monde ? Je pense que tout le monde, vu que la démo est sortie vraiment tout à l'heure, là, il y a tout le monde qui est en train de faire le tuto pour l'instant et qui a décidé de continuer le tuto. Et je suis le seul à essayer de me friter contre des gens. Salut Sigfire. Je pense qu'on va voir si on peut lancer une partie, peut-être... partie de jeu de guerre. Rechercher et rejoindre une partie multijoueur. Créer un salon personnalisé. Parcourir les parties disponibles. Alors attends, si je crée, je peux faire public, privé, en ligne. Ah mais c'est obligé, en fait, je suis obligé d'être en ligne ? Mais je vais me faire poutrer. Oui. Y'a personne qui veut jouer avec moi ? Le chat ! Ah si, il y a plein de gens. Jeu de guerre 1 sur 3. 1 sur 3. Alors attends, lui il a wargame et lui il a pas wargame en dessous. C'est marrant. Venez ! Bon, tout le monde s'est mis en difficulté 0 pour l'instant. Écoutez, on va faire une... Ouais, je rejoins une partie, voir juste comment ça se passe. Et après, on se fait une partie entre nous, le chat. Vous êtes gentil avec moi. Allié. Ok, donc là, on serait alliés tous les deux. Ok. Ah, on serait peut-être nous deux contre... Moi, ça me va, je suis prêt. On serait peut-être nous deux contre l'ordinateur. Je pense que Zaki, c'est un bon. Il est fort. Les forces ennemies augmenteront en puissance et en nombre progressivement. Protégez le transporteur, accomplissez vos objectifs. Oh là là, je vais tellement galérer. Résistance attendue, sécurisez les lieux. Là, il y a des ressources. Ok. Ça, c'est mon transporteur poteau. Ok, il est parti, il commence à faire des... Ok, on peut faire des grands intercepteurs bombardiers de flotte, corvettes à canon électrique. Où sont mes ressources ?
Contrôleur de ressources, amélioration. Attendez, je vais faire des contrôleurs de ressources déjà. Oh quoi, il y a déjà des ennemis. Enemy forces arriving shortly. Vite. Begin resourcing operations immediately. Command will send an objective soon. Mais lui, il est parti avec tout le monde. Awaiting orders. Ah mais mes collecteurs de ressources, ils sont pas encore terminés. Vas-y, vas-y, moi je bouge avec toi. Send message. Vas-y, profitez de la... Profitez de le... De la protection. Vas-y, moi je suis avec toi, hein. Je vais collecter des ressources ici. Je pense qu'il y a un chat. Les transporteurs, on va le faire suivre le bordel, hein. Et vous protégez les collecteurs de ressources. Ok, c'est bon, on a paniqué un petit peu, mais on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Incoming hyperspace signatures detected. Ready for attack. On va se faire attaquer! Mais c'est affreux! Je vais faire des intercepteurs. Attendez. Ouais, je vais faire des intercepteurs. Je sais pas combien, mais on va en faire. Et attendez, et du coup, eux, hein? On va se faire attaquer par qui? Ça arrive d'où? Hostile, ça arrive d'en face là, ok. Bah, mettez-vous en position delta. Avancez un petit peu devant là. Là il a commencé à faire des intercepteurs lui, ok. Et on collecte des ressources. J'arrive juste pas à voir où sont mes ressources. Ah, je pense que c'est là. Mais je le vois pas, non? Ça sent déjà la panique. Non, ça va bien se passer. Regardez, je les attends, les ennemis. Ah, mais c'est qu'ils sont en train de collecter ici aussi, là? Non? Non, ils sont loin encore, non? Les forces ennemies se regroupent. Command, carrier holding position on mark. Send transmission. Ready to copy. Combat alert. Vas-y, plonge un petit peu. Helm, adjust for new course. Groupe ready. 2, toi. Ready. Vas-y, je te soutiens, je te soutiens, je te soutiens. Understood. Wouah, mais salaud! Dans le fion! Ok. Groupe 2, on protège. Lock is good, on my lead. Résistance attendue sécurisée. Mais l'objectif, sécuriser la zone. Putain, mais c'est moi qui me suis fait attaquer, l'autre il s'est barré là. Ok, intercepteur allié, il est quand même venu m'aider. Hein. Et les collecteurs de ressources, on les laisse là? Non, ils ont plus rien, vous avez plus rien à prendre, il reste... Ah si, il reste 12 000. Attendez, mais c'est énorme. Ah non, il reste plus rien. Je me disais aussi. Let's go, récolter ici. Et vous, pour l'instant, vous allez protéger vos copains. Hein. En fait, vous protégez eux, hein, parce que l'autre, j'ai l'impression qu'il me laisse un peu dans la panade, là. La musique est trop cool, hein. Combat alert. On se fait défoncer par qui? Amélioration. Alors, on va faire surcharge. Bombardier de flotte. Un appareil anti-vaisseau large. Enfin, ça se trouve, on en aura besoin de ces trucs-là. Hein. Je propose d'en faire un ou deux ou trois quand même. Pour pouvoir faire le combat. Ok, les deux. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est au tout début de notre zone. Donc, les combats sont assez simples. Ou dans le dos! En fait, faut toujours garder une. Faut toujours garder des intercepteurs qui vont protéger le transporteur, je pense. Ils ont fui.
Ouais, ça sert à rien, non? Interceptor on station. Copy. Ok, lui il les laisse là, ces vaisseaux de reconnaissance. Ici on a nos bombardiers. Non, c'est les intercepteurs. Ils sont où mes bombardiers qu'on avait fait? Un chasseur bombardier. Alors si je clique sur eux, ils sont tous là. Ok, les trois ils sont là. Je vais les mettre en 4. Et par contre, intercepteur, ok. Il y en a à faire réparer ou pas? Oh, il y en a un peu à faire réparer. Hein. Non, attendez, il y a une bataille là. Ah, une corvette d'assaut! C'est pour mes bombardiers! Ah non, mais c'est bon. Ça s'est fait exploser en 2 secondes. Ok. Reconnaissance, allez vous mettre là. Point d'incursion, c'est ici. Ah, ok. Attendez, mais il est déjà parti où l'autre? Il est où mon pote? C'est son vaisseau qui est là-haut? Ok, ok. C'est moi qui dois prendre les risques là, vraiment? Les zones de reconnaissance, on peut faire recherche hypercombustion. Ok, je commence à prendre mes marques, le chat. Hop, on refait tout le groupe d'intercepteurs et on va aller pousser un petit peu. Genre... Green line confirmed. Et eux, vous protégez. Interceptor 4, vous protégez ici aussi. Enfin, vous allez vous poser et... Ah non, là, ils posent pour ce... Ah oui, il faut que je leur dise ça, en fait. Ok. Copy on SO. Et intercepteur, pareil, hein, vous réparez et après. Canon à corvette avec un vaisseau derrière ligne fragile mais infligeant des dégâts mono-cibles élevés. Efficace contre les ennemis lents. Combat alert. Non, on va refaire des intercepteurs. Combat alerte. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Contre qui? Attaque en cours. Vas-y, on va le faire avancer un tout petit peu, lui. Collecteur de ressources, allez récupérer ça. Ah non, ça c'est de la récupération. Vu que c'est eux qui doivent aller récupérer ça, j'imagine. Du coup, il va falloir après... Choper les... Ah oui, il y a des chasseurs ici, ok, ok. Donc deux. Deux, vous allez les attaquer ici pour qu'on puisse... Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je commence à comprendre. Allez, eux, ils récupèrent là, en fait, mes alliés. Ils se font pas chier. Vas-y, vas-y, bataille, bataille, bataille! Oh, merde, mes collecteurs de ressources. Vas-y. J'essaie de faire ce que tu me disais. On va les mettre en agressif au pire. Ça, c'est que c'est des corvettes d'assaut, c'est plus gros en fait ces trucs. Combat alert. J'ai récupéré le gros machin là. Ok, ça va être bon. Lot de production terminé, intercepteur, vas-y, hop, on va se mettre là-dessus. C'était tendu. Surtout que là, j'imagine, vu qu'on est en multijoueur, je peux pas mettre pause. Ok. Vas-y, on va bouger tout le monde. Y compris toi. Hop. On se met en dessous. Pourquoi il fait ça comme des tours, lui? Il est trop gros. Ah oui, attends. C'est quoi? C'est qu'il y a un obstacle devant, il passe par en dessous. Ok, ok. Et là, je peux faire des formations. Oh, ok, ok, ok. Les deux, vous protégez bien eux. Hein. Ils sont 16 dans les deux. Attendez, mais j'en ai plus que ça, des intercepteurs, normalement. Ah, de 22 unités. Ah oui, c'est parce que je dézoome et que je prends tout le monde. Ok, là, deux. Donc, tous les deux, vous protégez les collecteurs de ressources. Ok, ok.
Et on attend que notre gros vaisseau là, il fasse le tour là. Je sais pas où il en est rendu, il est en bas. Ok, ça se passe bien pour l'instant. Et je pense qu'on joue contre l'ordinateur là, on est deux humains contre l'ordinateur. Point d'incursion, secure area. Ok, faut sécuriser la zone qui est au-dessus là. Ok, ok. Combat alert. Ben, on va y aller hein. On va mettre eux plutôt à protéger là. On est déjà à 30 sur 30. Ah mais c'est qu'on est à 30 sur 30, on est au max de population. Bah vas-y, on va aller tuer des gens là. Vas-y, go, 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 sécuriser la zone. Baston! Va falloir qu'on active au bon moment la surcharge pour voir si ça marche. On a pas mal d'unités qui sont... Attends, j'ai un peu peur. Je sais pas ce qu'il y a en face. Waouh, 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 halt. Et puis on va réduire leur force. On va voir comment ça se donne. Mais peut-être que j'aurais dû envoyer eux avec. Genre pour attaquer... Les gros trucs là, les frégates à missiles là. Là je suis en train de faire un drame je pense. On aurait dû aller à deux. Oh non mais il attaque en même temps. Oh génial. Ouais j'envoie toutes mes forces. Ok. Détruisez d'abord les petits merdiers hein. Et après les bombardiers là, ils sont où mes bombardiers? Eux, go là-dessus. Camouflage. Camouflage de flotte. Ah j'aurais dû faire des corvettes ou je sais pas quoi. Ouais, oh j'en ai encore 21. Ça tire bien la... Ah ouais mais lui il avait fait une frégate à canon ionique et tout. Ah ouais, ouais en fait on était bien. Merci Firiou pour le troisième mois d'abonnement. Et ici je me fais pas attaquer hein. Attends c'est quoi ça? Ça sort d'où? Frégate à missile téléguidé? Oh il est où mon... Je vais me faire avoir. Oui. Oh la vache, ils font un duel. Oh c'est la pire idée ça. Vas-y fais des bombardiers. Ici on gagne ou on perd? Je crois que les frégates d'attaque on leur fait rien hein. Attendez, attendez, je fais des bombardiers. Mais faut que... Oui, c'est bon, on est en train de s'en sortir. Ok, on l'a eu. Ok, les bombardiers, donc les 4. Vous allez nous aider là-bas. J'ai tenté une accélération. Ah oui, il y a du renfort là. Attendez, ça arrive hein. Corvette à plasma, tout ça là. Send message. Go for carrier control. Guard confirmed. Helm, confirm SO. Enemy frigate, engaging target. Got it. Alright. Carrier engaging enemy strike craft. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Ah, let's go! On a réussi! On a réussi la première mission. Bon, par contre, moi, mon vaisseau... Mon vaisseau mère... Oh! Vite! Cassons-nous! oui, il était dans la... Mon vaisseau mère était dans la panade, un peu trop abandonné par les autres unités.
J'aurais dû le... J'aurais dû beaucoup mieux le défendre. Modificateur, ok. Appuyez sur N pendant une mission pour accéder au menu des reliques. Opération de collecte. Ok, là on a... Ah, en fait... Là j'ai mes ressources, 14 000 et quelques. Ah oui, j'ai beaucoup de ressources. Carrier comms open. Sizable incarnate forces incoming. They are pushing further into friendly space. Hagar and command suspect. Ah merde, il y a des chasseurs d'attaque ici là, si je veux récupérer les... Il est apparu où mon pote? Ok, j'ai l'impression qu'il n'est pas apparu. Donc Enemy forces arriving shortly. Begin resourcing operations immediately. Command will send an objective soon. Ready to copy. Vas-y, fais ça. Ça, c'est mon transporteur. Ouais. On va faire des corvettes à électrique. Hein. Ça avait l'air d'être important, ces trucs. Hein. C'est bon, on les a détruits. Prenez des ressources, vous. Allez choper les ressources. C'est marqué sur le stream, sur Steam, que c'est coop en ligne, ça veut dire qu'on peut faire l'histoire en coop ou juste des missions. Ben là, je sais pas, le mode wargame en tout cas, tu peux le faire en coop. Obtenir une relique. Choisir une relique. Amélioration des rangers, influence. Augmente la portée des vaisseaux de reconnaissance de 50%, réduit leur blindage de 25%. Ah, c'est des malus bonus. Amélioration de batailleur, impact. Améliore les dégâts des intercepteurs de 33% et leur vitesse de 20%, réduit la portée de leurs armes de 10%. Ok. Augmente les dégâts des intercepteurs de 33% et leur blindage de 25%, réduit leur distance de vision de 25%. Oh, c'est bon, je prends celle-ci. J'en ai une autre. Choisir une relique. Augmente la portée des armes des frégates à canon ionique de 100% et réduit leur distance de vision de 100%. Ok. Augmente les dégâts des intercepteurs de 33 et leur blindage de 25%. Ah oui, je peux refaire ça. Amélioration de bombardiers lourds, augmente les dégâts des bombardiers de flotte de 25%, réduit leur vitesse de 10%, réduit leur portée de 20%. On va faire ça parce que je joue beaucoup bombardier. Et... Ok, mon pote il est en face ici là. Et notre objectif, résistance attendue, sécuriser les ressources. Ok, bah vas-y hein. Faut que je mette mes collecteurs, ils sont là. Non, ça c'est les corvettes. J'ai juste à sécuriser ça ou pas? Je peux récupérer comme ça? Je vais refaire des intercepteurs. Et du coup, mes grosses corvettes, elles sont là. Corvettes à ions électriques. Ok, je vais les mettre en 5. J'ai déjà tous mes groupes de contrôle de prix, moi. Alerte au combat. Ah oui, on est loin. Lui, il va se faire attaquer ici. Moi, je vais me faire attaquer où? Ah ouais, faut que j'aille l'aider. Je suis super loin. Ouais, je vais aller l'aider. Attends. Vas-y, on va prendre toute la flotte. En fait, on va aller collecter les ressources là-bas. Attends, il est capable de s'en sortir ou pas tout seul? Ouais, j'ai l'impression. Sécuriser les ressources. Un convoi civil a été attaqué. Des secours là-bas. Oh ouais, donc c'est à chaque fois, je suis super loin, moi. Vas-y, va là-bas. Tout le monde, on défend. Et pendant qu'on bouge... Non, je voulais... Défendez-le, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Et pendant qu'on sort, on va faire des améliorations. Hop. Parce que là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. On les voit juste pas en haut. Et on peut faire des frégates. Frégates à canon ionique, corvette. Ah oui, on peut faire des frégates. Vas-y, on va faire des frégates. On va bourriner... on va faire un truc de frégate là, parce que je peux en faire plein. Je peux en faire 5. Attendez, mais il passe par où? Pour rejoindre mon pote? Et il passe par en dessous! Incroyable! Combat alert. Trop stylé! Oh, désolé, on prend du temps! On va arriver 100 heures après la bataille, mais on était de l'autre côté de la map.
Mais en même temps, on construit une giga armée là. Oh ouais, on va mettre du temps, non? Ça, c'est les nouvelles. Ça, c'est les trois corvettes. Du coup, quand il se déplace, il peut fabriquer ou pas? Ah non, j'ai l'impression qu'il peut pas. J'ai encore une relique. Version bombardier lourd. Augmente les dégâts des bombardiers de flotte de 25% à leur rayon de dégâts de... Ah oui, c'est pour être plus précis. Bon, vas-y. Hein. J'aime bien le système de reliques, là. C'est cool. Je sais pas s'il y a un chat. S'il y a un chat, j'ai peur de l'ouvrir parce que vu que je suis un noobie... Oh là là, il se fait attaquer par des chasseurs d'attaque. Non mais ça va en fait, c'est qu'il est en train de spot les ressources. On va émerger du tunnel. Vas-y par contre, attends. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais il me rejoint aussi, non. C'est incroyable si c'est le cas. Ah non, il est parti voir les secours. Non, il est parti voir les secours. Ok, ok. De toute façon, on le suit. Hein. Notre objectif, c'est lui. Donc, dès qu'il s'arrête... Bon, j'aimerais bien faire des frégates. Pourquoi je peux pas faire de frégates? Ah si, c'est bon, je peux reconstruire. Ok, je suis en train de construire trois frégates en même temps. Ah non, il n'allait pas vers les secours, il voulait juste me rejoindre moi en fait. Ok, ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, man? S'il fait, ça fait 20 minutes qu'il m'envoie des messages dans le chat, j'avoue. Si, si, on go. Vas-y, go, on va attaquer. Hein. Avec tout ce qu'on a là. On y va! Et là, regardez, il y a mes frégates qui vont sortir. En plus, les frégates, je vais leur demander pour l'instant de défendre le transporteur. Et après, à partir au combat, peut-être, mais. Ah ouais, regardez-moi ça là. Send transmission. Et pour l'instant, défend lui. Et lui, rejoint l'autre transporteur. Ok, je commence à prendre mes repères, le chat. Oh, la flotte. La flotte non coordonnée. Ils sont où mes collecteurs de ressources? Merde. Je les ai oubliés. Ready to copy. Ah, il a oublié une frégate ici, lui. Waouh, 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 go. Mettez-vous en agressif. Allez l'aider. Ah, la frégate de soutien, ça répare ça. Oh, c'est trop bien. Vas-y, mets-toi là et soigne tout le monde. Mais pourquoi ils bougent plus, eux? Ah, oh. Attendez. Je crois que je suis en train de découvrir quelque chose. Donc là, si je reste appuyé, je fais ça. Ok. Il doit se dire, mais quel noob, je suis avec un noob absolu. Perte de contrôle. Non, non, mais allez-y. Allez dans cette zone. Ah, c'est que je dis pas assez loin, pardon. Ok, donc là on a réussi à choper une relique encore.
Et là, on a des récupérations de ressources et tout, mais je crois que je mets... Ah oui, lui, mais attends, mais mes récolteurs, ils sont où, moi? Je suis sûr que je les ai oubliés. Putain, quelle merde. Les gars, vous avez pas suivi? Ah oui, il récolte tout. Il laisse rien. Vas-y, on va l'attaquer, ce truc. On va au moins se faire un frais d'armes. Un fait d'armes, pardon. Parce qu'après, s'il y a des stats... Ah, mon transporteur, il est là. Ok. Non, c'est moi qui attaque! Voilà, enfin. Let's go! Oh, les petits effets d'explosion et tout là. C'est sympa. Hein. Quand je clip pas dans le décor. Non, on a quoi? Chasseur d'attaque, corvette d'assaut. Ok. Le point d'inscription, il est juste là. Et les secours ici. Ah bah attendez. Oh non! Oh, ils se font full attaquer, mes transporteurs! Send message. The fleet controller systems are failing all over the ship. We're in trouble here. Et là, on se fait attaquer par quoi ici là? Oh, c'est mort ça, y'a rien ici. Ok. Oh. Non, défendez-le plutôt. C'est ce que je voulais dire, c'est défendez-le. Et on va refaire des contrôleurs. Non, ils sont pas morts. Ils sont pas morts, hein. Non, ils sont là encore. Par contre, là, le... Ok, ici, ça va commencer à chier un petit peu. Ah si, on en a perdu un. On en a perdu un. C'est pas trop grave. On va en refaire un. Bande de salauds! Ready to copy. New heading set. Helm, move us out. Recon here. Copy. Flight inbound. Ok, deux en attaque. Push to range, keep it close. Increase thrust. Ah oui, je peux faire comme ça, je pense. Taking fire. Ouais, c'est ça. Target eliminated. Frigate down. En position. Oh, mais c'est des corvettes d'assaut, on va se faire défoncer. Corvette has us in sight. We're exposed. On s'est fait ouvrir. Là, ça va être une vraie bataille. Là. Attendez, il y a corvette à canon électrique. Choper la corvette d'assaut là. Ok, ils sont encore en vie eux. C'est la frégate de soutien, elle est à moi. Par contre, moi je dépasse pas autant mon transporteur que lui il le déplace. Normal. Adjust scope angles. Let's go. Ready to copy. They're targeting exposed power fields. Factor set. Talk to engineering about receiving. Set. Redundancy systems online. Check screens. Lock critical hit. Evading. Enemy corvette destroyed. Ça c'est un range qu'elle a en réparation. Ah non, en fait faut que. Je dois lui dire genre la zone dans laquelle elle doit faire de la réparation. Oh, ok. Oh, j'ai cette impression là. Ils ont essayé. Oh, les salauds, ils ont essayé d'attaquer. Oh, mais ils m'ont totalement pris par derrière. Ok, back. J'ai encore du mal à... Je comprends pas pourquoi parfois...
This is bomber lead. Move complete. Ça, c'est la frégate de soutien qui va rester là, de toute façon. Elle est totalement cassée. Ok, ok. Vous battez-vous là, vous êtes dans le caca, vous n'avez plus rien. On a refait les intercepteurs à fond. Bombardiers, on en a beaucoup trop des bombardiers. Attendez, ils sont où mes bombardiers? Deux. Ok. Battez-vous là, je vous en supplie. Ok, là on a beaucoup plus de bombardiers. Bombardiers, prenez les corvettes à plasma. Oh, attendez, mais on se fait ouvrir là, non? Il nous faut beaucoup plus de gros vaisseaux en fait. Je sais pas combien de ressources j'ai, mais bon. Accès chat! Ah! Hello! J'avais pas vu! Ah oui, d'accord, on peut désactiver les trucs. Les corvettes ici, elles font enfin les frégates, elles font super mal. Ah, et les bombardiers, ils sont quasiment dead déjà aussi. Attends, mais pour l'instant, j'ai l'impression que j'avais beaucoup de bombardiers, je sais pas où ils sont. Et les intercepteurs? Frégate de suppression. Vas-y, attaque. Attaque la frégate multirayon, là. Frégate canon ionique, pareil. Ah, les bombardiers de flotte. Là-dessus. Ah non, c'est que je suis à 30 sur 30. Ah oui, donc ouais, j'ai trop de petits chasseurs, ça qui ne me servent à rien. Bah, vous pouvez tenter d'avoir les chasseurs hostiles, mais... Vas-y, bon, pendant que Monsieur Bleu, il capture tout, moi, je me prends toute la sauce, quoi. Rempart! Par contre, mon transporteur, vas-y, va rejoindre les bleus là parce que. Ok, bon, on a réussi là. Contact, hostile frigate. Maintain range. Ok, contact, hostile frigate. C'était un peu chaotique dans ce décor en 3D là, mais on a réussi. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup aidé mon allié. Hein. Les reliques s'obtiennent dans les zones de mission et peuvent être ramassées par n'importe quel vaisseau. Wouah! Par contre, les décors, ils sont tellement stylés! Oh ouais, regardez-moi ça! Capturer le hangar des flottes adverses. Ok. Destroy the three enemy production base. As long as the bases are functional, they will be able to provide reinforcements to the enemy. Et les ressources en bas. Ok, supprimer la flotte ici. Wow, ça va être dur. À mon avis, ça va être chaud là. Ok, il part vers le bas. Vas-y, je te suis, Michel, hein, sur l'objectif en bas. On y va. Oh là, regardez-moi ça. C'est tellement la classe. Reste à côté de lui. On garde les deux transporteurs à côté parce que je sais que... Il protège. Ça, c'est mes ressources man, ça. J'en ai plus qu'un. Ah oui, j'en ai plus qu'un. Attends, on s'est défoncé là. Il est parti où lui? Il a gardé des. Je vais en refaire deux. Parce que quand même, c'est important d'avoir des ressources. Bon, là-bas, il se passe quoi en bas? Ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Disputé. Ça, on gère, non? Vous savez quoi, il y a une frégate d'attaque. Hop. Oh! Command,
te rappelle que toi, tu suis ça. Hein. Ok, là j'ai trois contrôleurs de ressources. Je vais les grouper aussi en 5. Et vas-y, hein, allez capturer les ressources ici. Perte de contrôle ? Ah non, let's go les gars. Perdez pas le contrôle ? Ah mais perte de contrôle de lui. Ok, ok. Ok, très bien. Ils sont en agressif, mes chasseurs, déjà. Ok, j'ai des améliorations, on va les faire. Recherche mode communication permet à l'unité d'utiliser le capacité du mode du rayon. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Obus à fusion. Libère un puissant déluge de projectiles. Ça, j'adore. Ça, je prends. Ah, par contre, il y a toute une flotte qui est en train de... tenter de défoncer mes collecteurs de ressources. Il a envoyé les siens aussi. Merde. Oh, non. Envoie tes... C'est les miennes, celle-ci? Vas-y, hein. Allez protéger ici, là. En agressif, hein. Mais il va nous falloir ouais, des intercepteurs encore. On a eu la capture ici. Ok. Back hein, back. Back ici. Ok. Ouais, mais lui il a tellement... Ah non, ça c'est les contrôleurs de ressources. Send transmission. Going defensive. Ok, ça se passe pas trop mal. Vas-y, on prend les ressources. Y'a la flotte qui arrive. Pourquoi il reste en bas avec ses gars bleus, lui? Ça, c'est mort, non? Oh, c'est déjà dead. Ok, ok, parfait, parfait. Peut-être parce qu'il y a un autre objectif là-bas, non? Il veut prendre Long Range Fleet ici. Et là, on a le point d'excursion. Ok, ok, ok. C'est un peu chaotique, mais contrôleur de ressources, donc ça c'était 5. Y'a plus rien à collecter ici? Ok, ok. Bah go ici alors. On va prendre des ressources là-bas. Pour l'instant, là on bouge en groupe, j'aime bien. Salut Tist! On est pas mal là, on bouge en groupe là. On a un objectif. Système de soutien des unités légères augmente la limite de population des unités légères de 10. Oh, c'est trop bien! Améliore les dégâts des intercepteurs de 33, double les dégâts infligés et subis par les vaisseaux de reconnaissance. Les intercepteurs et les chasseurs de conquête. Double les dégâts infligés et subis. Ah! Ah! Non, je vais prendre ça. Ça c'est encore mieux, ça c'est beaucoup mieux. Hein. Du coup ça veut dire que normalement on est à voilà, on est à 40 et on peut refaire une flotte de bombardiers plus intercepteurs. On rebourre un petit peu pour être pas mal quoi. Là-bas il y avait une attendez, j'ai envoyé mes contrôleurs de ressources là. Et on est d'accord que là-bas, il y a l'air d'avoir une flotte, non? Vas-y. Allez, allez les défoncer.
Juste faites un petit tour là-bas parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose là. Frégate de soutien qui répare, ça c'est cool. Oh, la musique est incroyable. Sélectionnez les contrôleurs de ressources. Ouais, je sais qu'ils se font défoncer, mais on y va, on y va. Ça va, ils vont tenir. Vous n'avez pas honte d'attaquer mes collecteurs de ressources? C'est bon, ils les ont eu ou pas? C'est bon, tout est mort ici, hein. Non, ça attaque, ça... non, c'est bon. Ça, c'est à qui, ça, c'est à moi? Go, 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 go! Attention, non, en fait. Attends, là, il y a une grosse flotte qui descend juste en bas, là. Oh, les frégates de suppression. C'est eux qui ont l'obus à fusion, là? Vas-y. Wouah. Ah ouais, ça doit faire du dégât, ça. Vas-y, moi je fais la recherche. Triple tir. Ah ouais, ça a l'air trop bien ça. Décharge une rafale de tir sur une cible unique. Bah vas-y, hein, go. Combat alert. Tout le monde l'a remonté. Wow, ça arrive dans le dos en plus. C'est la baston! C'est la baston, le chat! En vrai, le jeu il est cool, hein. Et il y avait une flotte ennemie dans le dos, est-ce que eux ils vont dévier? Ah, je les ai plus en visuel. C'est bon, ils sont pas en train de dévier sur mes collecteurs de ressources. Alors, est-ce que mon coéquipier m'a répondu? Ah, il m'a mis good job! Oh, je suis pas le pire joueur alors. Par contre, il me faudrait mais je sais pas où sont mes frégates de... Ah, mais c'est qu'elles doivent être pleines en fait. J'ai pas de frégates de soutien, je pense. Ouais, je suis en file d'attente là sur... Donc celle-là, on les défonce. Il a tellement de carvettes, canons électriques. Ok, faut qu'on prenne le contrôle, on reste ici. Ah oui, ça part là-bas, vas-y, attends. De toute façon, là, je suis plein d'unités encore, hein. Je peux rien faire. Bombardier de flotte. Attends, le bombardier de flotte, ils peuvent pas avoir ces gros trucs là. Ah, ils sont encore loin. Vas-y, si, allez défoncer ça, les bombardiers. Là. Derrière, il se passe, il arrive à faire le combat là? Non. Ok, vas-y, je vais l'aider. Go. J'ai envoyé les bombardiers contre eux là, je sais pas si ça va bien se passer ça. Oh merde, je me suis trompé de vue. C'est pas ce que je voulais faire. Ils y arrivent ou pas les bombardiers là à défoncer ça? Oui, c'est bon, ils vont en avoir un. Ah non, ils arrivent pas du tout à les tuer en fait. Ouais, c'est compliqué. Oh, c'est quoi comme vaisseau là? Ça? Ok, si c'est bon, on l'a eu. Wouah, il y a tellement de frégates ici! Bombardier! Prenez ça! Corvette d'assaut hostile, ok. Bon, on perd des intercepteurs. On va refaire des intercepteurs.
Contact, enemy frigate on scopes. Merci Elysure pour le raid. Merci beaucoup. Alors il est bien ce World 3. Écoute, oui, on teste le mode Wargame, qui est une sorte de mode... là, on joue en coop avec un autre joueur et on se bat contre l'ordinateur. On doit accomplir, il y a des éléments de roguelike, on doit accomplir des missions, choisir des reliques. Et donc on se spoil pas l'histoire, on spoil juste un peu le gameplay forcément vu qu'on teste le jeu, mais c'est très très cool. Ce stream est sponsorisé d'ailleurs par Gearbox, merci à eux. Bah attendez, là je suis en train de me faire détruire ma flotte, non? J'ai quasiment plus rien là. Faire des bombardiers. Les corvettes à canon électrique là. On va bourriner hein. Voilà, c'est quoi ce qu'il a là? Il tire des gros canons comme ça. Ah, c'est les Ioniques justement. C'est bon, on est en train de faire la capture. Disputé. Oh, c'est bon, on va la voir. Ouais, on est largement en surnombre. Alors là, après, on était dans le mode de difficulté le plus bas, donc... on est tranquille. Attention, ici, il y a des grosses corvettes qui arrivent au bout, là. On va prendre tous les bombardiers de flotte qu'on a. On en a pas tant que ça, au final. Corvette d'assaut... Ouais, ça arrive ici, là, mais c'est bon, on l'a tenu, le point. À moins qu'on ait un nouvel objectif. Je vois pas. Ah oui, là-bas. Il va falloir qu'on bouge là-bas. Attends. Il bouge directement, lui, ou... Il est où son vaisseau mère? Parce que là... Ah ouais, ça va popper en continu. Vas-y, hein, je te propose... Je te propose qu'on bouge au prochain point et que... Ah ouais, ces contrôleurs de ressources, ils se font avoir. On bouge! C'est bon, j'espère qu'il a... J'espère qu'il a acté son déplacement. Si je joue à ce jeu, ce sera obligatoirement dans le mode des difficultés les plus faibles. J'ai toujours trouvé les homards difficiles. Ah ouais, ça demande une certaine maîtrise, c'est sûr. Oh, attendez, mais si on n'arrive pas à... Ouais, non. On se barre trop vite, les gars, là. Protégez quand même votre vaisseau capital. Vas-y, full vitesse, barre-là, toi. Barre-toi, l'attends plus. Oh, bon, on les fait... Tu suis ça, et vous protégez ça. Compris ? Et toi, refais-toi des intercepteurs, là. Oh merde, ils sont partis, on attaque directement, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, vous allez mourir au combat. Hein. Ah, mais c'est bien. Ah non, on est en train de dévoiler les unités ennemies, là. Let's go, battez-vous. On dispute la zone! Et il va se dire, mais il est totalement débile. Ils sont où, mais... Mes collecteurs de ressources, ils sont là. Vas-y. Allez prendre des ressources là, mais... Oh, eux, ils sont morts. Ils sont morts. Oh, remarque. Allez. Et là, on se fait attaquer dans le dos, nous, encore ?
Oh là là, on a une frégate hostile dans le dos là. Les corvettes à canon électrique aussi qui peuvent nous aider un petit peu ou... C'est bon, on reçu. Désengagez-vous, on perd des vaisseaux là. Continuez à protéger celui-là. Par contre, il pourrait m'aider, Michel, ou il veut faire ses ressources là. Oh, il y a un destroyer! Ah ouais, non, mais là. Oh ouais, il y a un destroyer, non mais là, vous êtes mort. Hein. Vous avez fait la reconnaissance, au moins c'est déjà pas mal. Tu peux faire un obus sur le destroyer là? Understood. On va voir si on se fait défoncer. Quand je mets une unité en protection, est-ce que je peux les mettre en plusieurs formations? Alors là, il y a les formations. Genre si je fais protection du transporteur, je pense qu'ils vont garder leur formation triangle, ouais. Après, ah oui, si je prends le transporteur avec, est-ce que je peux faire une formation? Rempart. Ah oui, regarde. Tu peux, hein. Qu'est-ce que ça donne ici? Oh, toutes mes frégates qui tentent d'avoir le... Oh, je l'ai bien tapé, le... Mode de combustion! Défoncez-le! Il reste un chasseur ici! Oh, je le défonce bien, en fait, le destroyer. Let's go! Il est pas dead là? Alors? Ah, c'est qu'il a mis un peu de temps à péter. Ok, ok. Vas-y, lui, il arrive après la bataille, il m'énerve. Ah, mais ils sont morts, mes mecs qui faisaient les ressources. Oh là, je me fais avoir dans le dos là. GG, je lui dis. On s'en sort bien. Pour nos premières missions, c'est cool. J'ai plus de contrôleur de ressources, mais bon, bah, je vais en refaire, on sait jamais, parce que même s'il y a une prochaine étape. Mais sachant que là, il y a des récupérations de ressources à faire ici, si je peux le faire là. Parce que je sais pas combien de... Je crois qu'il y a un bug là. Ça, c'est pas censé s'afficher là, parce que ça m'empêche de voir les ressources. Ah oui, d'accord. Bah, allez-y, hein, les grosses corvettes, là, allez vous défoncer ça. Hein. Vas-y, faites le tir d'obus là, que je vois ce que ça donne. Boum, 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 boum. Ah, c'est beau, hein. Un mât de ressources épuisées. Je refais des bombardiers, j'ai ma flotte d'intercepteurs qui est mort aussi. Ça c'est stylé, on les voit récupérer le gros truc là. C'est stylé en vrai. On a éliminé les trois productions de vaisseaux. HQ est sending des renforcements pour t'aider. Alors on a un nouvel... Wouah, la giga bataille.
Toutes les unités. Send message. Les corvettes à canon électrique. Oh là là, là on va prendre cher. Et là du coup il y a un gros battle cruiser là. Ok, bon bah go hein. J'ai que 24 unités. Bon, allez, allons défoncer le battle cruiser. Et ouais, il va falloir produire fort là. Frégate de soutien, s'il y a moyen. Sinon, on va refaire des. On va refaire ça. Tu me prends par les sentiments, Hugo, c'est toute ma jeunesse là. Bah ouais. Oh là là, oh là là, oh là là. Attendez, attendez, parce que là on s'est mis en mode Battle Cruiser, mais faut peut-être qu'avant on. Mettez-vous en voilà, posture d'attaque. Ripostez sur ce que vous avez autour de vous. Et le croiseur de bataille, on va le taper aux corvettes. Où sont mes corvettes? Oh non, je les ai envoyées dans. Hein? J'ai plus rien? Les petites corvettes. Oh, les corvettes, elles sont laminées! Ah oui, d'accord, le croiseur, c'est quelque chose! Non, mais lui, il a envoyé directement son gros machin. Oh. Mais non, on va crever, non? J'ai plus rien. Merde. En fait, il peut pas construire quand il bouge, non? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est que j'ai plus de ressources? J'ai plus rien? Et récupérez des trucs, vous! J'ai des GG alors qu'on a plus rien! On se fait ouvrir le fion! Attends, mais il a perdu son vaisseau de... Il a perdu son vaisseau principal, l'autre! C'est la fin du voyage, il me reste plus que moi. Oh, oh non! Vas-y, fuis! Fuis vers quelqu'un qui est gentil avec toi. Et en fait, je peux plus rien produire. Pourquoi je peux plus rien produire? Oh, j'avais un truc qui était bloqué. Vas-y, fais des vaisseaux et on va tenter de le retarder. Il est où le croiseur de bataille? Il est là. Ok. Je vais essayer de m'en sortir seul. Frégate de soutien, vas-y, répare ça. Collecteur de ressources. Oh non, non, je vais crever. Oh là là, regardez, il spawn, il meurt. C'est que j'ai trop de trucs en attente. Attends. Oh, je vais crever. Oh là 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 là. Oh non, c'est la fin du voyage. On s'est fait ouvrir. Intercepteur, go! Pourquoi il fait des intercepteurs? Des bombardiers de flotte. Ok, non, c'est bon. Attendez ici. Ok, on va refaire une flotte. Protégez ça. Non, on va se faire défoncer. Ils arrivent. Ah, c'est qu'on a pas assez de ressources, je pense. You have a free destroyer. Il est où mon free destroyer? Attends, il est où? Unité légère. Je sais pas où il est mon free destroyer. Oh non, je l'ai pas vu. Attendez, ça doit être là. Je suis mouru. Mon coéquipier, il m'a dit: Hugo, tu avais un free destroyer.
Salut vieille chaussette. Oh non. Alors leur destroyer était trop fort. J'ai débloqué deux niveaux. Il y a jusqu'à 10 niveaux et du coup flotte de reconnaissance, ok. Check ping. Oh, on s'est fait défoncer. Sorry. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une partie rapide. Démo de jeu de guerre. Personnalisé. Si je fais Hugo versus chat. Je crée un salon. Là, vous pouvez rejoindre. Et après, je peux choisir si on est allié, ennemi ou un truc comme ça, non? Réglage de flotte. Ah, ok. C'est pour choisir son... Paramètres de jeu, difficulté standard. Sexy niveau de carte, ok, on en a qu'un de toute façon. Ok, ok. Faut mettre privé puis inviter des amis. Il y a juste comme A qui m'a rejoint. Ok. Alors moi je peux mettre, j'ai flotte de reconnaissance. Une flotte polyvalente avec une grande quantité d'unités de ressources de départ permettant un déploiement adaptable à tout type de situation. Un transporteur, 6 intercepteurs, un contrôleur de ressources. Et là il y a quoi? Un transporteur, 5 vaisseaux de reconnaissance. Ouais c'est mieux ça. Ok. On est 3 alliés. Ah mais du coup on peut pas se mettre en versus l'un contre l'autre en fait pour l'instant. On est juste... On est tous ensemble, quoi. Hugo versus All World. Ok, et je suis curieux, du coup, vu qu'on est 3, on va se mettre largeur ennemi incursion, voir si on se fait poutrer, ok? Bonjour. Ça va le faire, le chat. Je suis un pro. Regardez mon niveau 3. J'ai juste fait le tuto, lui, l'Iran. Parfait. Faut te mettre prêt. Ah bah salut Iran, qui est sur le chat aussi. On va faire une partie avec le chat. On verra ce que ça donne, voir si on y arrive. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1. On va voir si on retrouve les mêmes niveaux et les mêmes quêtes, ou si... Tellement galère de trouver une partie en Europe de l'Ouest. Collection des joueurs. Ok, ça c'est la map que je connais. Elle est stylée en vrai. En tout cas, c'est un espèce de giga vaisseau station qui a explosé et Alors. Sécuriser les ressources. Ah, du coup, c'est la map 2, mais l'objectif qu'on avait 1 tout à l'heure. Moi, je suis où? Sizable incarnate forces incoming. Non, c'est bon, pushing further into friendly space. Higar in command suspects there is an incarnate base within this sector. Engage hostile forces and plot a route to their base of operations. Attendez. Pourquoi j'ai deux trucs? We must find and destroy this base. Iran? Ah, il y a eu un problème de connexion. Le jeu a planté pour jusqu'au bras, non. Du coup, j'ai ta flotte et ma flotte. Oh non, mais là ça va être un drame. Attendez, tu t'envoies les collecteurs sur les ressources ici. Attends, je prends mes intercepteurs et... Ah oui, mais non, mais oui. Les vaisseaux de reconnaissance, on va se rouvrir en deux.
Je vais grouper mes en 5. Je vais grouper mes vaisseaux. Je vais les apporter ici aussi. Genre par là. Et on va construire directement l'amélioration d'intercepteur ici. Vu que j'ai deux vaisseaux, et ici on va faire une flotte. Let's go, let's go, let's go, let's go. Incoming hyperspace signatures detected. On va se faire ouvrir. Mode de bataille intercepteur, les dégâts d'intercepteur de 150% et leur coque, leur emballage de 50% réduit à la portée de leurs armes de 25%. Ah, c'est trop bien ça! On prend? Amélioration de bataille de noyau. Augmente les dégâts d'intercepteur de 33% et leur blindage de 25%. Vol de frégate, canon. Ah oui, c'est ça, ça on avait pris, c'était fort aussi. Je sais pas pourquoi on va se faire défoncer, Iran. Vu qu'on a perdu un joueur début de partie là. Le problème c'est que je sais pas combien de thunes j'ai à chaque fois. Mais j'ai plus de 500 donc on va faire une corvette. On va bourrer hein. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de thunes alors. Et on est en train de récupérer des ressources donc c'est ok. Ok Eran. On va attaquer le deuxième groupe. Je pense... Attends. Je prends mes intercepteurs et je vais aller choper les hostiles juste là. Combat alert. Et eux, vous êtes en protection. Hein, de ici, je vais vous mettre en agressif. Ok, ok. Comment ça se passe ici là? C'est juste des petits chasseurs. Bon, ça se déroule bien. Regarde les options du jeu si tu peux pas réduire la taille de l'interface. Ah, attends. Ah. Vas-y Iran, avec moi. Allons porter secours. Iran, il fuit. Vas-y, je... Ah, il y en a un qui... We have contact. Enemy Corvette. Corvette down. Ops. Collectors are out. Materials uptick incoming. Hostile track. Corvette closing range. Maneuver and fire. Systems go. Send. I'm coming in. Critical hit. Enemy Corvette destroyed. Ouah, wow, j'avais pas vu. We have contact. Enemy Corvette. Ready. Quick fire, quick fire. EOS has them. Let's go, let's go. On va les déplacer eux. Hein. Et vas-y, fais des intercepteurs pour l'instant. Et ça. Et vous, allez choper les ressources ici. Hein. Allez rechoper les ressources. Voilà. Inbound on position. EOS down. Moving in. Ah non, faut aller voir le mec des secours là. On a pas. Bon, Iran y va. Bien joué, Iran. Attendez, là, il y avait un truc à récupérer. Il y a des gigas récupération de ressources aussi. Hein. Ready. EOS down, moving in. Vas-y, on fait la capture ici. Ah, ça se passe bien en vrai, on s'en sort bien. Fleet, interceptor lead. Il est où ton vaisseau principal? Ouais, laisse-le pas, à mon avis, ici. Hein. Parce que c'est là d'où spawn tes unités, donc... Vas-y, on va faire des... C'était quoi que j'avais adoré? Les frégates qui envoyaient des... Efficaces contre les ennemis grands et lents. Efficaces contre les chasseurs et les ennemis à entrée à coque basse. Frégates d'assaut, alors on va faire. Là, j'ai plus de... Oh, j'ai plus rien, j'ai plus de thunes. Là, j'y vais comme un bourrin.
Send message. Critical hit. Enemy Corvette destroyed. Ouais, voilà, bouge ton vaisseau ici, c'est cool. Ce qu'il me faudrait, c'est un... C'est la frégate de soutien, ça c'est trop important pour réparer les vaisseaux. Parce que là, ils sont déjà tous à moitié dead, les miens. Corvette is lined up. Engaging. Wow, on se fait attaquer. Ah, les frégates de torpilleurs. Amélioration de batailleur. Améliorer les dégâts des intervenants de rang à leur vitesse. Ouais, ça c'est bien. Set transmission. Hostile Corvette is off the board. New target. Ready. Set transmission. Oh merde, ça attaque là. Oui, d'accord. Ah ouais, avec les spawns violents là, c'est chaud. Hein. Je me suis fait laminer là-bas. Reviens, back. Ah non, ils sont là-haut, ok. Non mais vas-y, revenez là, vous êtes trop, on est trop dispersés. Merci BZH Forever pour le 18e mois d'abonnement. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Le problème c'est les points... Ah oui. Merci G-Dakers pour le prime. Oh, on se fait défoncer en fait. Ouais, t'as pris trop cher déjà, Eran, sur ton... sur ton... Ah mais t'as une frégate de soutien pour réparer, ok. Ouais, moi les intercepteurs ils ont pris trop cher aussi. En même temps, je vais plus avoir de ressources. Il va falloir qu'on aille... ouais, t'es parti déjà là-bas, toi. Bien joué. Vas-y, on va avancer un petit peu avec les... Toi, t'attaques quoi, la corvette à plasma ici, ok. On a les secours. Let's go. Il nous fera peut-être des points. Et pendant ce temps-là, on fabrique des unités ici. Intercepteur et là les corvettes. Attends, je vais tous les prendre. Okay, par là ici. Oh ah ouais, je les ai envoyés au casse-pipe là, non? Bon, ça va, ils s'en sortent. Ils sont en train de faire la capture. Non, ils s'en sortent pas, non? Ah, merci, Ran. Je veux bien de l'aide un peu ici, ouais. Oh, j'ai pas vu. Ok. Ici, il y a. Ok, c'est du costaud aussi dans ton dos, là. J'arrive. Wow. On prend cher, là, non? J'ai pas les bombardiers, j'ai l'impression, ici. Frégate de soutien, ça, faut que j'en fabrique absolument. Un contrôleur de ressources en plus. Ah, mais c'est vrai qu'on est censé être 3, donc en fait, j'ai. Attendez. Est-ce que j'ai deux fois... J'ai deux flottes à mener en fait. Non mais c'est pour ça qu'on va perdre. C'est que mon cerveau n'est pas assez fort pour ça moi. Ah non en fait il me compte 25 sur 25 sur les deux. What the fuck, il y a du multi? Oui, on est dans un mode de jeu qui s'appelle Wargame. Et on est en multi. Je suis avec Eran en allié là. Et on se fight contre... en PVE là pour l'instant. Mais je crois qu'il y a du PVP aussi, donc faut que je vois comment ça peut marcher. Ça se trouve c'est du PVP d'ailleurs en face, je pense pas mais... on a réussi à sécuriser les... Non, c'est disputé pour l'instant. Donc ok, on va le faire. Ah putain, par contre les gars... Faut absolument défendre le vaisseau d'Eran en fait. On est sur deux fronts en même temps. Mais pourquoi c'est disputé ici? Qui c'est qui dispute là? Ah oui, non mais c'est qu'il est mort en fait le truc. Ok. Interceptor holding.
Après, on va devoir passer au milieu. Ouais, non, mais là, ici, là, tes collecteurs, ils vont prendre trop cher. Engaging enemy Corvette. Watch return fire. Send your message. Ouais, les collecteurs de ressources, ils vont prendre trop cher, là. Faut qu'on avance. Faut qu'on avance vers cette zone. Je ne décolle, hein, mais ça se trouve, ils sont éclatés au sol. Hein. C'est quoi, on va faire avancer la flotte ici, là. Et regarde ta canon ionique. Recherche revêtement polarisé frégate d'assaut. Je sais pas où elles sont, les frégates d'assaut. Ah si, mais elles sont dead. Vas-y, on va en faire. À gauche. Quoi, à gauche? Non, c'est bon, il tient ici, hein. Nous, on a sécurisé là le dépôt, et mes collecteurs, ils sont en train de récupérer là. Oh ouais, j'en prends, ils sont en train de récupérer les ressources. Ah oui, il y avait ça là. Attendez. Ouh là, allez choper ça. Frégate de soutien, ok. Est-ce que t'as besoin de réparation ici? Vas-y, je t'envoie la réparation. On a récupéré ça encore. Frégate d'assaut Berserker améliore les dégâts des frégates d'assaut de 33% et leur vitesse de 20%. Augmente leurs dégâts subis de 33%. Disloc, débloque, amélioration Berserker. Vas-y, moi je vais faire des frégates d'assaut de folie. Je vais me spé frégate d'assaut. Capturer les positions pour secourir les civils de sur 3. Il est où l'autre secours de civils là? Il est là. Ok. Allons-y. 9, ouais, ils vont crever, mais bon. Ah, attendez, mais là, ici, là, ça se fait défoncer, hein. Attention, attention, attention. Oh, peut-être avoir besoin d'intercepteur ici aussi. Vas-y, je m'occupe de sécuriser ce point-là, là, mais c'est vrai que ça vient en nombre. Il y a une frégate, là. Oh, regardez les frégates d'assaut, là. Revêtement polarisé. Oh, elles se font défoncer quand même un peu. Hein. Non, ça va, elles tiennent bien les frégates d'assaut quand même. Faut que je fasse plus de frégates d'assaut. Ah, c'est bon, je suis en train d'en créer. Ok. Et les secours alors, on a réussi ou on est en train de le faire là? Ok, ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Ça fait tellement du bien de voir un mémorable RTS avoir une nouvelle itération. On a réussi! Ça pique derrière. Ah, j'ai pas vu. J'avais pas vu Iran ton message. Par contre, c'est dommage qu'on était trois, du coup je dois gérer deux trucs en même temps. Ah oui, n'oublie pas de check les options, oui, c'est ce que je voulais faire. Menu, paramètres, interface, taille des... Ouais, je peux baisser un petit peu effectivement. Tactical Glacicone Opacity, activer le menu contextuel. Ça de dommage les unités, taille des icônes, ça je peux pas, à sensi, non. Enemy forces arriving shortly. Begin resourcing operations immediately. Command will send an objective soon. Ouais, tu peux régler pas mal de choses quand même, toutes les infos bulles. Ah ouais, déjà là, c'est un peu mieux, non? J'ai rien suivi, il se passe quoi? Waouh, c'est tellement beau!
Attendez, on fait un petit point juste sur la map là. Incroyable. Résistance attendue, sécuriser les ressources. Ok, c'est comme tout à l'heure. Ils sont en train de faire des beaux cercles, mes unités là, parce que je pense que je dois. Attends. Les deux transporteurs sont là. T'es arrivé où, Eran? Ça, c'est bien. T'es arrivé où? Où c'est qu'il est arrivé, Eran? Il est là-bas? Non, je. Ah! Attends. Ah, juste. Ah, t'as réussi à rejoindre? On est à 3 points différents. Ok, ok, ok. Collecteur de ressources. Go ici! Vous, intercepteur, défendez les collecteurs de ressources. Ok, on sécurise chacun de notre côté si on a besoin. Si on a si besoin aide, ping. Les frégates d'assaut. En 3. Ça c'est trop bien le petit visuel ici pour vous dire quel groupe est pris ou pas. Ok, là il y a une corvette d'assaut, vas-y, vas-y, on va faire corvette d'assaut versus. 4. Waouh, 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 waouh. Ok, on a récupéré l'avantage. Amélioration de bombardement en pression, mode de reconnaissance, ouais, on s'en fout. Ok, ça pour les frégates ioniques, ça peut être pas mal. Si on a besoin d'aide, on ping, ok, ok. Alerte au combat. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où c'est que ça arrive? Ah ouais, regardez, on a 3 bulles. Oh ouais, on est. Moi, je suis le plus loin de tout le monde en fait. Je vais peut-être me rapprocher avec mes deux vaisseaux. Un convoi, ok, on a un nouvel objectif, sécuriser les convois comme tout à l'heure. En attendant, défoncez-moi ça. Les secours sont de l'autre côté, oh là là, qui va s'occuper des secours? Vas-y, attends, je vais mettre mes deux gars là avec la frégate de soutien. Oh, qui suit ici. Ok, perte de contrôle des secours, ils s'en occupent, mais on va regrouper au final, je pense. Frégate d'assaut. Frégate d'assaut, c'était quel groupe déjà? 3. Ah, c'est qu'il y a une. Ok, il y a un truc. Je vais refaire ce groupe alors juste avec les frégates d'assaut. Sécuriser ici. Vas-y, mais moi, c'est super loin de chez moi à chaque fois les endroits où faut aller sécuriser. Moi, je vous laisse vous en occuper, hein. Par contre, j'ai pris de la hauteur sur la map là. Je suis bien. J'ai 6000 points. Ah ouais, c'est là. Là, je vois enfin mes points là. Ok. 6000 points. On a ressources max, donc on va faire des améliorations. Hein. Pourquoi je peux pas? Ah parce que je suis en attente de... Non, je sais pas. Ah oui, là c'est la merde par contre. Derrière nous les gars, derrière nous, derrière nous, derrière nous, derrière nous. Attends, on a perdu nos corvettes là. Les gars, je fais tout pour la capture. C'est bon, on a réussi.
On a réussi l'objectif numéro 2, mais bon. C'est bon, on regroupe les transporteurs, au moins c'est ça. Ah, t'es en secours disputé ici, ok. Là, c'est du custom, là. Là, on a fait du custom parce qu'on s'est retrouvé entre français, mais... Ok, ok, bien, 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 bien. Là, on est en train de les défoncer. Paire de contrôle ici, on est bien. Ok. Ah, t'as juste envoyé en plus des petits collecteurs de ressources, là, on est... Incroyable. On est très bien. Puis là, on continue à reconstruire. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Let's go! C'était facile celle-ci. C'était easy. Les jeux de guerre impliquent d'accomplir des objectifs dans une zone d'opération afin d'accéder à la mission suivante. La simulation prend fin une fois que trois scénarios ont été terminés. Va-t-on réussir ? Eran, va-t-on réussir le dernier ? C'est là où c'est le plus dur. Donc faut défoncer les trois flottes là. Et après faut battre le... Faut battre le giga gros vaisseau là. Donc là faut aller défoncer les forces directes. Hein. Vas-y, moi je prends tous mes ships et go directement là. Destroy the three enemy production base. As long as the base are functional, they will be able to provide reinforcements to the enemy. Juste comme ah, il spawn mais il a rien. C'est horrible. Intercepteur, amélioration. Triple tir. Puis elle est comme un bourrin. D'ailleurs, mes collecteurs là. Il y avait quoi autour de nous? Il y a ça? Ok. Oh, il y va comme un bourrin lui. Ah, mais attends, mais moi aussi j'ai une. Oh là là, regardez la flotte, c'est tellement beau! Ok, ils ont été attirés vers le haut, je pense qu'ils sont plus là. Brigade d'assaut. Ils sont un peu plus lents, ma frégate d'assaut, mais... Oh là, les... eux, ils ont pris cher. Oh ok, ok. Blindez-vous! Défendez-les, défendez les frégates en mode hostile. Bougez-vous par là. Ah, t'as mis tes chasseurs sur mes chasseurs, je le vois. Vas-y, refais des intercepteurs en masse. Et on va faire des frégates d'assaut. Trop fort les frégates d'assaut. Regardez sur zone là, défonce tout. Ah, il y a un destroyer ici quand même qui fait mal. Hein. Vas-y, défoncez le destroyer là. Là, ici, ils récupèrent ou pas? Ah non, mais ils se font avoir par des petits chasseurs, mais mes collecteurs! J'avais pas vu! Ils sont tous morts? Non, j'en ai encore un peu, mais... Ah, je peux faire une amélioration? Recherche capture. Débloque l'ordre de capture d'un vaisseau pour les contrôleurs de ressources. Ah oui. Merde, pourquoi on est en... Non, non. Donc alors, si on a le premier objectif, c'est pas si mal. Pendant qu'on collecte les ressources, ça remonte. Ils se font toujours attaquer, eux ? Non. Ah, c'est tranquille. Ils se font réparer par
Les gars de soutien, tu les as réparés, hein. Ouais. Attends, ça, c'est des ennemis ou pas? Ça m'arrive dans le dos? Non, c'est bon, ça arrive, ça arrive ici. Ok. C'est bon, on tient. Oh oui, là, c'est sorti dans tous les sens, là. Ok, frégate d'assaut. Contre les destroyers. On va avoir besoin du réparateur. Réparateur. Sur les frégates d'assaut là. C'est important, je pense. Pourquoi c'est encore disputé ça? Let's go! On en a eu un. Hop, allez. On prend tout. Et on va défoncer ça. Vas-y, on plonge. On plonge vers l'objectif. Ils sont où mes collecteurs? Bon, ils doivent être en train de collecter un truc. Bon, t'as tellement de ressources là encore là. 500. Combat alert. Attendez là. On bouge en même temps. Contrôleur de ressources. Ok. Allez récupérer. Ouais, remarque là, il y a 500. Là, il y a 2000 et tout. Understood. J'ai l'impression que là, il y a plus de. Ah, remarque là. Non, j'avais pas vu ici. C'est mieux là. Putain, il les a vus avant moi. Bon, allez récupérer le merdier qu'il y a là. Tiens. Bon. Démerdez-vous au fond. Faites-moi des ressources. Au pire, vous allez mourir. Ils sont où les gros vaisseaux? Ils sont là? Ok. Allez, let's go. On descend là. On va se faire track, mais. Ouais, l'ambiance est trop cool. Allez, les gars, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Contact! Wouah! Ok, passons en puissance de feu maximale. Corvette d'assaut. Mettez-vous en agressif aussi. Ok, on est bien. Oui, eux ils sont morts, j'imagine, mes collecteurs de ressources, c'est ça. Hein. Ouais, vous faites défoncer, mais et vous collectez des ressources quand même, hein, un petit peu, ou Ouais, collecter des ressources, c'est important pour la guerre. Hein. On en refera d'autres au pire. En attendant, ici on tient. Où sont mes gros vaisseaux capitaux? Ici. Ok, ils vont plonger. Bon, les collecteurs des eaux, hein. Des eaux, pas des eaux, mais On va refaire des corvettes. Parce que ça meurt rapidement, mais c'est intéressant aussi. Ouais, j'en ai plus. Hein, ils sont encore attaqués? Ils sont trop loin. Adieu! Mais bon, là on tient la base. Brigade de soutien, est-ce que tu peux... C'est la mienne? Contact. Enemy corvette in weapons range. Lead over here. Move complete. Waiting out. On dit protéger ça. Hostile corvette confirmed. Adjust. Fleet. Assault. Target locked.
Engaging frigate. They're locked onto us. Targeting alert. Parfait. Engaging enemy frigate. Frigate destroyed. C'est bon. Le deuxième point va être capturé. Ça s'est rempli. Eh bien, du coup, on a un autre objectif, mon cher Eran. C'est de défoncer ici en haut. On va aller là. On va refaire des collecteurs de ressources. Back. Controller copies. Stations adjust. Je vais ramener les. Oula, ça se disperse. Fleet controller systems are failing all over the ship. We're in trouble here. Ça se disperse, ça se disperse. Voilà, non, eux ils vont à la mort là, non? Ils seront jamais rattrapés. Attendez! Bande de fous! Oh, ils y vont direct! Wouah! Bon courage! Le temps que les renforts arrivent, hein! Ils sont loin! Ça va, pas si loin! Allez, go, on fonce, les gars! Eux, c'est quoi déjà les salves de tir là? Ah oui, c'est qu'ils peuvent faire des. Ouais, vous servez à rien pour l'instant. Vous. Mettez-vous plutôt à défendre vos potes. Ce sera plus utile. Enemy frigate, move to engage. Send message. Ok, et nous, ça arrive après, mais... Ah, ben voilà! Voilà, là, ça fait du dégât, là! Bref, les petits chasseurs, mais non, regardez, quand la cavalerie arrive! Boum! Merde, j'ai pas vu. Les contrôleurs de ressources ici. Vas-y, allez les défoncer. Les petites. Ah voilà, si elles peuvent sniper de super loin quand même. Ouais, c'est bon. Là, on est en train de capturer là-haut. Hein. Normalement, c'est good. Ouais, on est en train de capturer. Il va falloir juste défendre. On a dû perdre pas mal d'intercepteurs. On va les refaire. On se refait un groupe d'intercepteurs. Intercepteurs ici, il n'en reste que 10. Ah, effectivement, ils ont pris un peu cher. Oh là là, mes frégates de combat là, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est le massacre. Ah, le battleship par contre il me fait trop peur. Hein. Ah, Smogix. J'ai à toi. Là je pense qu'il me faudrait limite... Je sais pas comment on va faire. Les frégates d'assaut, il me faudrait que la frégate de soutien vienne réparer celui-là au moins là. Et là on va... Mon cher Eran, c'est là où j'ai perdu tout à l'heure. On va devoir se battre contre le croiseur ennemi. Et apparemment, on a un renfort. Alors il est où le renfort? Comment on fait pour choper le renfort, le chat? Transporteur. Merde.
Attendez, où est le renfort? Parce que le Battlecruiser, il est là. Ça, c'est mes petits intercepteurs à la con. Hein. Bah, je vais te demander de défendre toi, parce que si tu perds ton transporteur, c'est l'enfer. Récupération. Point d'incursion. Où est le renfort? Tu peux pas cacher les derrière un pilier? Ah si, je mets les deux, genre... effectivement, ouais, je leur dis de... littéralement, du duit, duit. Ok, il est toujours en train de réparer. Waouh, 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 ça m'attaque déjà là? Ok, c'est bon. Le problème, c'est que les vaisseaux, ils sortent de là. Non, c'est... C'est pas forcément une bonne solution, je pense. Restez là, eux. Faut qu'on soit vraiment groupés, du coup, Eran. Et je sais pas comment je peux faire pour... Je t'avoue que je ne sais pas comment faire pour récupérer mon truc d'allié, là. Si quelqu'un sait... Oh putain, oh t'es en train de déjà... Ah t'es... j'avais pas vu. Oh tout le monde! Let's go sur le Battlecruiser! Les corvettes à ion, tout le monde sur le Battle... Oh non, il est mort! Toutes les unités sur le Battlecruiser! On va encore perdre. Les frégates d'assaut, faites-moi rêver. Je lui fais du dégât, non? Je lui fais rien. Oh, attends, quoi? Non, mais non, mais voilà aussi. Frégate d'assaut, j'en ai... Putain, mais il a tout défoncé mes frégates d'assaut. Bon, on a fait un peu mieux que tout à l'heure, mais alors, je dois y avoir un... On m'a dit que j'avais un truc gratuit, mais je sais pas où il est. Frégate torpilleur. Ah, c'est peut-être des torpilleurs que j'aurais dû faire. Alors, le problème, c'est qu'on nous attaque sur le côté aussi, là. Oh là là. On l'a descendu à moitié de sa vie. Ah, on a des frégates d'assaut qui commencent à arriver. Corvette à canon électrique, on va essayer d'en produire aussi. Tant qu'il m'a... C'est quoi ça? Ouais, non. Ah si, on peut peut-être la voir alors, hein. On peut peut-être la voir, hein. Tant qu'ils foncent sur mes trucs, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, j'avoue, il fait tellement mal. Vas-y, moi je produis des corvettes en attendant, là. Des petits intercepteurs, des corvettes, on met toute notre puissance de feu sur lui. Oh, la frégate d'assaut, comment elle se fait défoncer? Frégate d'assaut, corvette, canon électrique. Ouais, faut que je fuis avec ça. Ouais, c'est bon, fait les frégates d'assaut, c'est trop long à faire. Ça. Il lui reste 25% de sa vie, je dirais. Allez les gars, allez les gars, allez les gars. Fais une salve. Oh là 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 là. Je sais pas comment faire. Frégate torpilleur peut-être là.
de petits intercepteurs là. Oh non, il ne te reste rien. Il nous reste rien, Eran. Il nous reste si peu de vie. Oh là là, il a eu les corvettes si facilement. Vas-y, je vais essayer de la voir, mais... J'envoie de temps en temps des unités, j'essaie de pas trop m'éloigner non plus pour que... Là par exemple, je comprends pas pourquoi je mets longtemps... Pourquoi ça construit plus? Parce que j'ai plus de ressources? Ah, c'est ça. Send message. Target set. Helm full burn. In position. Waiting out. Ah, faut que je fuis. Go for carrier control. Combat alert. Oh la vache, non! Critical damage. Receiving. Oh non! Et du coup, quand j'en ai perdu un sur deux. Oh non. J'avais pas de bombardier. Ah, il fait trop mal. Moi j'ai gagné un niveau encore je crois mais... Waouh. C'est chaud en vrai hein, le chat. Presque la win. Oh, il restait quasiment rien ouais.